Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en carrière joueur. Voilà, le retour de la carrière joueur. Hein. Donc, après quelques vidéos sur Fortnite et également les vidéos en carrière manager avec également la Coupe du Monde avec la Belgique. Retour avec Max Parker en carrière joueur et on affronte aujourd'hui l'Olympique Lyonnais. Donc, nous sommes toujours à l'OM hein, puisque nous n'avons pas reçu d'offre. Donc, je me suis retiré de la liste des transferts et je vais leur demander un transfert. Enfin, je crois que je l'ai déjà fait. Je crois que je suis de nouveau sur la liste des transferts. Alors, je vais voir ça avec vous. Tac, tac. Voilà, je me suis remis sur la liste des transferts. On verra bien. Ça m'inquiète un petit peu parce que si je peux pas partir, va falloir que je refasse une carrière. Ça serait quand même la première fois que je recommence une carrière joueur. Donc, bon, on verra bien. Il y a eu du changement également, comme vous pouvez le voir. J'ai été élu homme du match. Mais le petit détail n'est pas là. C'est sur le maillot. Il y a le sponsor orange. Le sponsor de l'OM qui est arrivé sur le maillot. Donc voilà, je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire une mise à jour pour ça, mais en fin de compte, ils l'ont fait. Donc voilà, donc on affronte l'Olympique Lyonnais qui est donc troisième avec 43 points. Donc voilà, faut absolument gagner, sinon Lyon peut passer devant nous. On a toujours la surprise Saint-Étienne qui est premier avec 49 points. Donc pour l'instant, c'est vraiment la surprise de cette saison. Donc on va faire le match face à Lyon, ensuite match face à Caen, ensuite on va simuler le match face à Amiens. Puisqu'il y a 2 jours de repos, donc autant mieux garder enfin, se garder à 100%, parce qu'après il n'y aura que 2 jours de repos. Et huitième de finale de Coupe nationale, donc Coupe de France, face au PSG. Donc voilà un petit peu pour les matchs qui arrivent. Et ensuite il y aura la Ligue des Champions un peu plus tard. Au niveau de la composition, bah, pas trop de changements. Alors j'ai Andréoli. Je sais pas si c'est une recrue d'aujourd'hui. Si, je crois que c'est une recrue d'aujourd'hui. De la période d'hiver. Au niveau du mercato. Mais sinon après ça change pas. On a le Tovin toujours à droite. Voilà, qui est revenu de sa grosse blessure. Voilà, pas trop forcément trop de changements. Allez, du coup, on est parti. Bon, ce sera un match sous la pluie. On est à l'extérieur, bien sûr. Paf, on va passer la composition. Donc faut savoir que normalement, comme nous sommes arrivés au mois de décembre, le mois de décembre c'est le mois où je sors le plus de vidéos normalement. Alors quand je dis plus de vidéos, des fois c'est quoi? C'est 3-4 vidéos de plus que le mois précédent. Donc voilà, donc je vais essayer quand même de sortir un maximum de vidéos pour ce mois de décembre. Oh là 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 là. Gustavo déjà. Oh là là, ça joue bien déjà. Ça joue plutôt pas mal. Ça fait des petites passes plutôt sympas. Oh là là, Dimitri Payet qui met un petit pont. Bon, par contre on s'est un petit peu enflammé là, en début de match. Par contre, j'ai vraiment l'impression que physiquement, je me fais bouffer par tous les joueurs. Hein. J'ai beau avoir gagné en physique, mais je suis toujours. On me donne toujours un petit coup d'épaule, bim, je vire. Je sais pas si c'est mon joueur ou quoi, mais. Oh non, mais non, mais non, mais non! Mais Morgan Sanson, tu m'as gêné, qu'est-ce que tu fais? Oh, dommage! Allez, allez, hop! C'est pas mal ce qu'on fait pour l'instant, c'est pas mal, mais. C'est pas mal, c'est pas mal, mais pour l'instant ça veut pas rentrer. Hein. C'est tout le temps à côté, au-dessus, c'est toujours contré. Allez, Payet. Allez, les gars, là, faut marquer un but. Hein. On va pas faire un match à 0-0, là. Quand même pas. C'est bon, quoi. Oh non, j'ai trop tardé, j'ai trop tardé. Oh là 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 là. Traoré qui fait la misère, là. Traoré qui fait la misère à mes défenseurs. Oh, bien joué, Tovin. Oh, la petite passe en petite talonnade. Bon, ça va être sur le gardien. Voilà. Bon, j'ai demandé le changement. Comme vous le savez, le changement peut vous faire gagner un match. Hein. Alors, j'avais vu un commentaire comme quoi, en simulant les matchs, ça vous fait pas gagner forcément les matchs, mais les résultats restent le même. Alors, pas du tout. Hein. Sachez-le. Hein. Vraiment pas du tout. Il faut savoir que même quand parfois vous sortez à 3-4 minutes de la fin du match, vous pouvez gagner un match avec 2-3 buts qui ont été marqués dans les 10 dernières minutes, hein, voire même les 5 dernières minutes. Donc vraiment pas du tout. Hein. Si vraiment vous voulez gagner un match, des fois faut pas hésiter à être remplacé, à simuler le match. Hein, parce que clairement ça peut vous faire gagner des matchs. Alors je vous dis pas tous les matchs, heureusement d'un côté, mais pas y a de tir. Oh, dommage. Oh boum. Oh dommage. Voilà, ça encore, c'est une belle petite action aussi. Bon, malheureusement, c'est pas cadré, mais voilà, on fait pas mal de petites choses comme ça qui sont vraiment cool. Bon, bah là, voilà, on sort à la 89e minute, autant vous dire qu'en simulant, on va pas gagner le match. Voilà, paf. On aurait peut-être dû le demander un petit peu avant, mais c'est vraiment dommage, franchement, c'est vraiment dommage. Mais il y avait du rythme, mais au final, bah, il y a rien, quoi. Il y a rien dans le match, enfin, c'est assez bizarre.
Du coup, on va quand même voir le résultat, on sait jamais. Bah voilà. Donc ça répond à ton commentaire. Alors je sais pas qui c'était, je me rappelle plus trop parce que c'est un commentaire quand même qui date. Mais voilà, je me souviens quand même des commentaires que vous marquez. Mais voilà, je suis sorti, vous avez bien vu, je suis sorti à la 89e minute. Et bah regardez, en une minute, plus le temps additionnel, donc en 2-3 minutes, ils ont réussi à mettre 2-0. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point des fois, il faut pas hésiter à vous faire sortir quand vous contrôlez uniquement votre joueur bien sûr. Et de simuler le match parce que ça peut vous faire gagner des points, ça peut vous faire gagner des matchs comme celui-là. Alors peut-être qu'on le mérite pas, mais voilà, au moins on a gagné 2-0 et on prend 3 points. Allez, on est parti au stade Vélodrome face à Caen. On reste dans la même composition, voilà, pas de changement. Pas de changement au niveau de la composition. Et on est parti. On va essayer du coup d'aller décrocher de nouveau 3 points. Cette fois-ci, on va quand même essayer de marquer. Ou de voir, pourquoi pas faire une petite passe décisive. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas marqué. Mais bon, ce serait bien quand même que je marque. Allez, un coup franc là pour commencer. Est-ce qu'il va lui mettre le carton, monsieur l'arbitre? Non, il va pas lui mettre le carton. On parie, Payet, il va tenter direct. Non, même pas. Oh, dommage! Oh, dommage, j'étais là pour mettre la petite tête. Bon, c'est bien défendu. On enchaîne bien. Oh, Payet, dommage, t'as voulu jouer le 1-2, dommage. Non, on est là, on récupère, je te la donne, tu frappes. On récupère de nouveau, je frappe. Payet qui fait déjà les bons choix. Il veut jouer en 1-2 avec moi. Oh là 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 là. Oh, je me suis concentré, j'y étais tout seul. Et ça rentre. Ça rentre. Ouverture du score 1-0, 17ème minute. Je me suis dit, ah là, faut que j'aille tout seul. Là, j'ai hésité à enrouler. Parce que parfois, j'enroule. Mais là, j'ai tenté la frappe en force. Et c'est passé. Et bah, c'est parfait. Attends, j'ai pas vu, c'était. Combien de buts je suis à. Je sais même pas à combien de buts je suis en Ligue 1. Mais faudra que je voie combien j'ai marqué de buts la saison dernière. Il me semble que j'en ai marqué une vingtaine. Oh là là, il y a un bon coup à jouer là. Je sais pas si je suis hors jeu, je crois pas. Hein. Je crois pas que je sois hors jeu. Putain, j'arrive plus. Hein. J'arrive pas à rentrer comme ça avec mon pied droit. Allez, Tovin. Rodon, Tovin. Voilà, bien fait ça, Tovin. Tranquille. Voilà, la petite remise. Bim! Oh non! Anguissa qui a laissé passer pour Payet, mais il aurait pu peut-être tenter. Je sais pas si on va le voir sur le ralenti. Je pense que oui. Là, bim, il saute à ce moment-là. Bon, il y a eu un petit coup de lag. Et en fait, il laisse le ballon à Payet, mais c'est vraiment dommage. Hein. Il aurait pu tenter. Hein. Allez, Payet, alors. Je te sentais un petit peu chaud. Ah ouais, mais là, tu fais trop de passements de jambes. Là, t'as voulu la faire à la Cristiano Ronaldo, mais... Oh là là, mais tout le monde se... Même Morgan Sanson se met à faire des petits passements de jambes là, je sais pas ce qu'ils ont là, et ça y est, ils se prennent tous pour Cristiano Ronaldo. Par contre, niveau frappe, c'est pas trop ça les gars. Hein. Allez, Payet, il tente la frappe. Oh là là, Payet, il est chaud. Oh, bien joué, Payet. Tiens, je te la donne. Vas-y, frappe. Oui. Voilà, 2-0. Voilà, ça c'est le Payet que j'aime là, quand il fait ses petits gestes comme ça, bim, pour éliminer un joueur, il te la redonne. Bien joué Morgan Sanson. Allez, redonne. Voilà, parfait. Allez, bim. Oui, le doublé, c'est parfait. 3-0, 72e minute. Et ben voilà, on a mis notre petit doublé, ça fait plaisir. Et là, cette fois-ci, c'est passé. J'ai pas fait que L2, j'ai fait avec l'analogue aussi. Et c'est passé, voilà, du coup on va pouvoir voir combien de buts j'ai marqué en Ligue 1. Et ben voilà, 20 buts. Je suis déjà à 20 buts. Alors qu'il y a Dorga qui va faire son entrée, je suis déjà à 20 buts. Ça veut dire que j'ai marqué plus de buts que la saison dernière. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait une meilleure saison que... D'accord, faut vraiment que j'aille voir la saison dernière combien de buts j'ai marqué. Parce que ça me paraît bizarre quand même, hein. Donc je suis à 20 buts en Ligue 1 plus les buts en
en Ligue des Champions. Payet toujours dans ses petits gestes techniques là. Roden, Payet. Oh là là. Oh bim. Oui, ça rentre avec le poteau. Ça fait 4-0 pour Anguissa. On a mis 3 buts en seconde période, ce qui est assez rare quand même. Et regardez, là c'est même pas moi qui me donne le ballon, c'est le défenseur en taclant qui remet le ballon dans la surface, enfin qui centre. Et derrière, oh là là, cette chance, le poteau cette fois-ci qui met le ballon dans le but quoi. Oh là là, ils sont un petit peu en panique hein, quand. Allez Payet, donne. Ok, sur le côté. Parfait. Hop, petit centre. Il est tout seul Thauvin. Oh là là, dommage. Ah, le petit corner tiré par Payet. C'est sur Morgan Sanson. Ça va revenir. Doria. Joue là sur le côté. Parfait. Hop. Petit centre. Bim. Payet. Ah, dommage. Ah, il y avait peut-être moyen que je mette un petit triplé, mais bon. Mais voilà, il y a les 3 points. Et du coup, on se rapproche un peu plus de Saint-Etienne. Alors, du coup, les résultats, bah, Saint-Etienne qui ont gagné 2-1. Et faut voir le résultat du PSG qui n'ont pas joué. Ok. Donc, au classement, ça donne quoi? Et bah, ça donne que on est à 3 points. On est à 3 points de Saint-Etienne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Apparemment, je deviens le chouchou de l'entraîneur. Donc, ça aussi, c'est plutôt cool. Du coup, on va avancer face au match, face à Amiens. On va le simuler. Hop, on va simuler en espérant gagner face à Caen. Oui. Face à Caen, face à Amiens plutôt. Et bien sûr, on perd. Bien sûr, on perd. Bon, tant pis, c'est pas forcément très très grave. Du coup, au niveau de ma carrière, alors, combien de buts on avait marqué la saison dernière? La saison dernière, on avait marqué... 31 buts. Ok, 31 buts. Alors, pas en Ligue 1. Je crois qu'on peut pas voir en Ligue 1. Ou alors... Non, on peut pas forcément voir. Ok, bon, j'avais mis 31 buts, 9 passes décisives. Ok. Et actuellement, je suis à 24 buts. Voilà, je suis arrivé. 24 buts. 10 passes décisives, par contre. Allez, c'est parti au Parc des Princes. Encore une fois, hein, auquel... franchement, ils ont fait vraiment un gros, gros taf FIFA par rapport au stade du Paris Saint-Germain. Enfin, tout ce qui est habillage hein, autour du stade. Franchement, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Bon après le reste, franchement il manque énormément de stades. J'ai l'impression que FIFA commence vraiment à perdre de plus en plus de licences au niveau des stades, etc. Donc ça fait un peu flipper quand même. Ça fait un peu flipper parce que PES commence à prendre des licences par-ci par-là. Donc attention quand même, attention. Du coup le PSG que j'ai mis avec le maillot jaune, hein, j'avais envie de le faire jouer avec leur maillot jaune. Du coup voilà, ils joueront en jaune. On va voir vite fait la petite composition du PSG. Ok, je me souviens plus trop de quel joueur ils ont acheté. Bon voilà, ils ont acheté Diego Costa hein, qui était à Chelsea, me semble. Et du coup, Cavani est parti à Chelsea. Voilà, Piliqueta en défense, Meunier à droite. Et la composition de l'OM, alors pas de changement, il me semble. On va voir ça. Payet, ok, il y a Thauvin, Morgan Sanson, Zombanguissa, Gustavo. Si, Adil Rami de retour en défense. Et du coup, on est parti. Mais est-ce qu'il y a Neymar du côté du PSG? Ouais, il y a Neymar. J'ai l'impression qu'il y a Neymar. Oui, il y a bien Neymar avec son numéro 10. Je suis dit, putain, il n'y a pas Neymar de titulaire? Ok. On va tenter une frappe de loin parce qu'il me laisse un petit pas avancer. C'est sur moi la petite tête. J'étais un peu loin quand même. J'étais un petit peu loin. Oh là 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 là, ça va vite hein. Ça va vite du côté, ça cherche Neymar directement au second poteau. Hop. De nouveau en corner, mais cette fois-ci pour le PSG. Le joueur à suivre, bien sûr, Neymar. Ils vont jouer le corner à deux. Attention. Attention quand ils jouent le corner à deux. Alors, est-ce qu'ils vont rejouer de nouveau à deux? Ouais, alors le PSG qui joue tout le temps les corners à deux. Hein. Attention. Oh là 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 là. Ouf. Ouais, parce qu'il y avait un joueur qui était. Je sais pas qui est tombé, il a mis 3 heures à se relever. Ça a failli nous coûter cher ça. Ça peut faire toute la différence. On va tenter la petite passe en profondeur. Allez. Oh non, dommage. Qui c'est qui? Je sais pas, je crois que c'est un défenseur qui compte. Oh dommage, je sais pas si c'était cadré ou quoi. Il me semble que le gardien était dessus. On va tenter le centre. Oh bim. Il a pas tenté la frappe. Faut tenter la frappe hein. Payet.
Oui, Payet. Oui. 15e minute. Il est magnifique ce but. Mais par contre, j'ai pas compris là. Pourquoi il a pas frappé là? Peut-être qu'il est pas gaucher. Oh, c'était un défenseur en plus. Oh, mais là, franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. Moi, je partais derrière les buts avec mon joueur. Je sais pas ce que je faisais. Et voilà, là, franchement, Payet, il a juste à mettre le plat du pied et c'est bon. Et ben voilà, 1-0, 16e minute. Il n'aura pas fallu beaucoup d'occasions. Ok. Verratti qui défend bien sûrement. Hein. Regardez, il va même réussir à récupérer le ballon. Hein. Ah, il me lâche pas, hein, Verratti. Verratti me lâche vraiment pas. Il défend vraiment bien. Attention. D'ailleurs, avec le ballon, bon, ça frappe, c'est pas trop ça. Il y a un coup à jouer là. Là, il y a un petit coup à jouer. Ok. Payet. Allez, Payet. Ne perds pas le ballon. Garde-la bien. Donne-la. Non, mais c'est quoi ça? Payet, non. T'as fait quoi là? Allez, Payet. Voilà, voilà. Ça, c'est un bon ballon. Il y a Tovin à l'opposé. Ah merde. Non. Alors là, j'ai fait n'importe quoi aussi. C'était nul à chier. Attention là-bas qui joue pas sur Neymar. Attention à Neymar qui est parti en profondeur. Oh là 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 là, bien joué. C'est bien défendu ça. Hein. On voit qu'on intercepte. Par contre, hey. Verratti, c'est. Il est incroyable. Hein. Il veut récupérer tous les ballons. À chaque fois que j'ai le ballon, il est derrière mon dos. Allez, Payet. Ok. Oh là là. Il est tout seul. Il y avait pas hors-jeu. Il y avait pas hors-jeu là-dessus. Oh là 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 là, ce ballon. Il était tout seul devant le gardien. Et Gustavo qui a laissé sa place. Pour le coup, attention en ce début de seconde période de ne pas se prendre un but. Le voilà, Neymar avec le ballon, attention. Oh là 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 là. Ok. Voilà, bien joué. Bien joué ça. Non, ça c'est un petit peu trop juste. Ok. Ok. Dommage. Quoique. Ah, t'as pas réussi à récupérer. On a des petits moments où. Ou si vraiment on va chercher le ballon dans les pieds, regardez, paf, on récupère. Il y a moyen de marquer. Allez. Oh là là, voilà, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. La petite remise. C'est un petit peu trop facile là ce que j'ai fait. Hein. Oh, c'est chaud, hein, c'est chaud là. Hein, c'est chaud, on leur met la pression, c'est bon ça. Hein. Allez, boum. Peut-être même un peu trop, hein. C'était un peu trop de passe là, mais on leur met un petit coup de pression là. Ok, une frappe de loin. Oh le poteau, bim. Oh là 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 là. On va en profiter. Bon, je repasse encore avec un peu de chance. Là, j'ai encore le ballon avec un peu de chance. On a pas mal de chance, hein. Pas mal de chance. La récupération, la frappe. C'est pour le gardien. Attention Dorian, ne fais pas de conneries. Attention là-dessus. On a 10 tirs. Hein. On a 10 tirs. Attention. Attention. Oh là là. Oh là 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 là. On a... Ah ouais là, Mandanda, tu peux crier oui yes. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce que là, sincèrement, j'ai cru au but. Hein. J'ai cru au but. Là, ils vont commencer à nous mettre un coup de pression dans les 10 dernières minutes. Faut être là pour mettre la tête. Voilà. Attends, faut sortir. Faut sortir. Faut pas qu'on reste derrière. Voilà. Essayer de reprendre le ballon. Faut pas qu'on les laisse avec leur ballon. Faut pas qu'on les laisse avec le ballon. Oh là 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 là. Allez, faut dégager. Vas-y, dégage en touche. Il faut absolument qu'on leur prenne le ballon. Doria, donne. Donne. Voilà, parfait. Allez, hop, on y va. Je pourrais dégager au loin si je veux. Mais bon, voilà, jouer quand même. On va essayer quand même de bien jouer. Oh non. Bien joué ça. Oh non, mais non, non, mais c'était pas pour lui. Non, mais non, c'était pas pour lui. Et voilà, c'est terminé, victoire. 1-0. Et Verratti, quand même, aura plutôt bien défendu. Et du coup, oui, on continue dans cette coupe, de coupe nationale. Mais on aura quand même souffert un petit peu à la fin du match. Hein. Bon, de retour. Dans les menus, on peut voir un petit peu les résultats. Donc Saint-Etienne qui sont les meilleurs de la Coupe Nationale. Donc bon, je pense que ça les arrange un petit peu. Comme ça, ils auront beaucoup plus de jours de repos. Et ils vont pouvoir essayer de se concentrer sur leur première place.
Donc on est à 4 points de Saint-Étienne, franchement ça va, c'est pas mal, le PSG qui est derrière. Lyon quand même qui sont juste derrière aussi, 46 points. Monaco aussi, 45 points. Donc franchement, jusqu'à la 5ème place, c'est quand même serré pour l'instant. Et donc au niveau du calendrier, on se retrouvera sans doute pour le 8ème de finale face à Villarreal. Voilà, je pense que ça peut être pas mal puisqu'on aura Villarreal, match face à Villarreal. Ensuite, de nouveau le match face au PSG, cette fois-ci en Ligue 1, donc il sera très important, hein, puisqu'ils sont quand même juste derrière nous. Et ensuite, on aura deux matchs de championnat, donc peut-être qu'on fera, on fera peut-être pas forcément... Attends, le match aller, il est aussi loin que ça. D'accord, ok. Peut-être qu'après, on fera le match face à Villarreal, on verra bien en tout cas. Mais voilà, on se retrouvera de toute façon pour de nouveau un classico. Donc voilà, en tout cas, pour cet épisode en carrière joueur, voilà, retour de la carrière joueur. On va continuer, je pense, après en carrière joueur. Et on commencera la saison avec Monaco en carrière manager, bientôt aussi. Donc voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde.